téléspectateurs de If et Chanel, très très heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue dans votre émission Fashion Police Africa. Je suis Dodia Ndiaye, la dof de la mode. Et chers amis téléspectateurs, vous l'avez sans doute remarqué, nous avons encore une fois changé de cadre, mais toujours dans le monde de la mode. Cette fois-ci, nous sommes bien sûr au Sénégal, à Dakar, sur la VDN à la cité CPI, villa numéro 1 à la boutique Filtex chez Madame Mbaye Mariama, que nous vous présenterons tout à l'heure. Et avant cela, nous allons faire un petit coucou à Brian. Bonjour. Bonjour Doja, comment tu vas? Bien, et toi? Ouais, ça va, on dit quoi? Okay. Forme. Ouais, en forme, je paie la forme. L'ambiance. Ouais, je t'assure, on est là au calme, quoi. On est posé. Voilà. Ça bon, fait toujours plaisir. Je suis forcé de respecter la règle des trois couleurs. Ah ouais? Je ne veux pas te parler de quoi parce que ça se voit direct. Ok, d'accord. Oh là là, sinon ça va? Très très bien. En couleur? En noir. En jaune? Ah oui. Je répète, je respecte la règle des trois couleurs. Ok, super alors. Eh bien, chers amis téléspectateurs, je vous le disais tantôt, nous sommes avec Madame Mbaye Mariama à sa boutique Filtex. Alors, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Je vous en prie. Alors, je m'appelle Madame Mbaye Mariama. Je représente une marque suisse qui s'appelle Filtex à Dakar, au Sénégal. C'est donc la marque Filtex, ils font du textile. Donc, le textile comme les bassins brodés, du bassin, des brodés, du voile suisse, du java. Ils ont beaucoup de sortes de textiles. Donc, c'est ce que j'ai l'exclusivité de représenter ça sur Dakar. Et comment se passe à peu près cette industrie-là, bien représentée au Sénégal? Et pourquoi faire ce long voyage jusqu'en Suisse? Pourquoi pas le Sénégal exactement? Parce que c'est une industrie qui est en Suisse. Oui. Donc, moi je vis en Suisse depuis une vingtaine d'années, plus même. Et que j'achetais souvent les tissus Filtex et je venais les vendre à Dakar. Ça fait 10 ans. Et l'année passée, ça m'est venu comme ça à l'esprit, pourquoi ne pas aller demander qui c'était le directeur de Filtex, par exemple. C'est des Allemands, des Suisses allemands. Ils habitent à Saint-Gall. Ils sont à Saint-Gall. C'est une ville allemande en Suisse. Et quand j'allais souvent, c'était ouais, une dizaine d'années, depuis 2007, plus même. J'allais souvent acheter, tous les mois peut-être, acheter de la marchandise là-bas. Et je venais les vendre au Sénégal, mais chez moi. Et quand j'ai demandé d'aller voir le directeur, bon, j'ai vu que ce n'était pas difficile. D'accord. J'appréhendais, mais ce n'était pas si difficile que ça. Ils m'ont dit, bon, écoutez, j'ai appelé, ils m'ont dit, écoutez, il sera là tant. Et quand je suis allée chez Filtex à Saint-Gall, je me suis présentée, ils me connaissaient déjà parce que je venais souvent acheter de la marchandise et j'ai demandé à voir le directeur. Bon, voilà, il était là parce que je vais vous en raconter une anecdote qui dit qu'en Suisse, on ne peut pas remarquer un directeur dans une société parce qu'il fait comme tout le monde. Donc moi, la première fois que j'étais allée chez Filtex, c'est lui qui m'avait servi. Et moi, pour moi, c'était un agent commercial qui m'a servi comme tout le monde. Oui. Et quand on m'a présenté, quand il est sorti de son bureau, j'ai dit, tiens, mais celui-là, je le connais. Il m'a déjà servi plusieurs fois. On me dit, mais oui, c'est le boss quand même. Bon, d'accord, il m'a fait entrer dans son bureau et j'ai discuté avec lui. En gros, c'est un partenariat qui s'est passé, qui s'est passé très très bien et pas très difficile. Ok, super. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous allons faire comme à l'accoutumée, continuer notre promenade, même si certains n'aiment pas ce mot-là, mais moi j'adore. Donc cette fois-ci, nous allons à la 5e édition des Glitz Styles Awards qui a eu lieu le samedi 14 septembre à l'hôtel Mövenpick Ambassador à
Accra au Ghana. Le Glitz Style Awards est une soirée consacrée à rendre hommage aux personnalités les plus élégantes de l'industrie de la mode du divertissement au Ghana. Et sur ce, nous allons directement passer au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Lorraine Ama Bartels en Lorraine Haute Couture, apparemment d'elle-même. Oui, ouais, c'est ça pour moi. Moi, personnellement, j'aime bien sa tenue, j'aime bien sa robe. En plus, ce mélange, on va dire mélange de matières, les deux matières qu'ils ont utilisées, ça colle super bien. Mm-hmm. J'adore vraiment, j'aime bien ça. C'est super. Toi? Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est assez moyen comme réalisation. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que, voilà, tu vois. À part le nœud sur le bustier et la traîne, il n'y a rien de spécial sur la tenue. Mm-hmm. Tu vois. Or que quand en qualité de designer, mm-hmm. et de sur quoi tu vois, vu l'envergure de la soirée, elle aurait dû mieux faire. Mm-hmm. Elle aurait dû arborer un truc assez travaillé, assez sophistiqué, pour en mettre plein à la vue. Tu vois. Parce qu'elle elle représente sa marque et tout. Parce que là, elle n'en met pas direct plein à la vue, là. Non, pas vraiment, tu vois. C'est, moi, je pense que c'est une tenue comme il a l'habitude de dire assez lambda, quoi, tu vois. Il n'y a pas trop, voilà. C'est du déjà vu et tout. Et l'autre qui m'interpelle sur son look, tu vois, ce sont les chaussures qu'elle a eu à arborer. Tu vois. Elle aurait dû opter pour des talons hauts. Qui se ressortent mieux. Voilà. Et vous en pensez quoi? Bon, peut-être ça. Moi, je dirais peut-être les chaussures. Elle aurait pu mettre des talons, mm-hmm. mais pour la tenue, moi je la trouve magnifique. Okay. Et toi? Moi la tenue, je trouve ça passable. Mm-hmm. Après, moi, c'est pas la tenue qui pose problème en fait. Bah, procédure entre guillemets, haute couture, bon, ça reste à bien faire aussi. Parce qu'en Afrique, on a tendance à utiliser ce terme-là, voilà, pas dans le bon sens, parce que c'est juridiquement protégé en fait ce terme-là. Mm-hmm. Bah, toutes les marques ne sont pas de couture. Mm-hmm. Ouais. Après, bon, la robe sur elle, ça ne va pas du tout. Ça ne colle pas, ça ne colle pas même un peu. Ah ouais? Oui. Mais la tenue, je trouve que c'est pas ça. La tenue en elle-même. Okay. Mais avec elle qui la voit, ça ne transcende pas. Il n'y a pas ce petit. Voilà, quoi, je sais pas. Ce petit bling-là qu'elle a, quoi. Qui... Je comprends ce que tu dis. Voilà, après, tu vois, les chaussures, la qualité d'après avec ça. Un mauvais mélange. Ok. J'ai la dernière fois. Super. Et tu lui donnerais une note de combien, toi? Juste la moyenne, un 5. Bah moi, je vais quand même lui donner un 6. Oui. Ah, ça, elle adorait alors. Ouais, c'est clair. Et toi? C'est un peu du gribouille à mon goût. Je vais lui donner un 5. Un 5. Ouais. Super, c'est bon. Et nous passons au prochain look. Queen Ivy en tenue traditionnelle, ça nous va bien aussi. J'aime bien l'idée de s'accepter déjà, de mettre les tenues traditionnelles de son pays, de mettre à l'avant ce que les stylistes ou autres personnes auraient pu créer. Ça, c'est déjà une très belle idée. J'aime bien, mais bon, pour moi, elle aurait pu quand même avoir autre chose. Ça, mais j'adhère pour cette idée, sincèrement. Ouais, moi de même, j'ai été emballé par sa tenue. Parce qu'on a l'habitude de voir genre dans des grands événements, mm-hmm. des célébrités africaines mm-hmm. arborées du Made in Nigeria. Ouais. Or sur ce coup, tu vois, elle a voulu mettre en valeur beaucoup plus ce côté traditionnel africain qui sort vraiment dans son look. Et franchement, j'ai tellement aimé. Ça raconte, tu vois, l'histoire de l'Afrique, l'histoire ancestrale et tout. Et voilà. Moi, je pense que ça le fait. C'est vrai que c'est pas assez travaillé. C'est un truc assez traditionnel. Mm-hmm. Mais bon, sur ce coup, ça le fait, quoi. Moi, je ne connais pas très bien les tenues traditionnelles comme ça, mais j'ai trouvé ça magnifique. Mm-hmm. C'est africain, ça fait plaisir de voir ça. Et toi? Bon, enfin, pour une telle cérémonie, elle aurait pu jouer la carte de la facilité en avant, voilà, une robe de soirée comme ce qui se fait d'habitude. Mm-hmm. Mais là, elle a une très opération à chantier, c'est une tenue du Ghana. Un royaume plutôt, enfin. Et je serais à votre opposé, je trouve que c'est bien accessoirisé et tout. Je sais pas, c'est pas limite ça plus quoi. Moi je trouve que c'est bien travaillé. Elle a arboré comme il se doit, tu vois, les accessoires, les colliers, tout ce qui va avec. Voilà. Et
et tu m'as donné un sac. Un sac. Ah là, je te rejoins quand même, je te donne un sac. Mais voilà, la culture. La culture, je veux dire. Carrément. Ça fait plaisir en tout cas. Moi aussi, je te donne un sac. Ah oui, quand même. Ah, il aime bien les 8, hein. Oui, c'est clair. Et toi? Moi, de même, un 7. Un 7. Ouais. Super. Et nous passons au prochain lot. Troisième look du jour, Kofi Akotua. En Kofi Akotua, Ghana, sa propre marque apparemment. Ouais. Mais c'est quoi, être papillon ou quoi? Non, même pas. Quoi? Ah oui, vraiment. Ouais. En plus, je place qui était à cette cérémonie sur moi, ils avaient mal. Tellement que c'est claquant. Oui, carrément. Non, mais en fait, voilà. Vas-y, défends-le. Pas que je déconne, mais après, le genre de pareo, voilà, avec. Les paillettes. Les paillettes, je sais pas, il y a un peu de séquins aussi, si j'en zoome un peu, voilà. J'aime bien. Le tout à l'heure, j'aime bien l'idée et tout. Voilà, et puis avec lui, ça passe crème. Voilà. Ah ouais. Voilà. Ok. Et on n'a pas fait trop comme. Le ferait un déliporteur. Exactement, c'est pareil, je pense. Non, pas exactement. Oui, il mettrait bien les semis de déliporteur. Ouais, moi de même, j'aime bien le look dans l'ensemble, mais bon, le seul truc que j'ai pas trop aimé, tu vois, c'est la couleur de son pareo. Si il avait opté pour une autre couleur, mais bon, ça allait passer crème. Mais bon, après, ce que j'ai tellement aimé sur son look, tu vois, c'est l'ensemble en velours, là, tu vois. Oui. C'est une manière que. C'est une matière qui revient à la tendance et tout, tu vois. Et du coup, c'est toujours beau à voir. Et surtout l'assortissement, tu vois, avec ses paires de Weston, tu vois. Mais il doit pantalon trois quarts et tout. Non, bon, peut-être c'est assez léger comme de tissu, tu vois. Je pense pas. Mais bon. Tu veux le comme pantalon. Ça ne va pas avec tout le monde, mais tu vois, il a bien l'argent. Ouais. Bon, on va quand même parler à Madame Maï qui souvent voit ça avec les tissus, vous travaillez avec les tissus, donc vous devez vous y connaître et savoir peut-être quel genre de tissu irait mieux dans, avec quelle saison. Parce que le velours en était quand même. Tu en penses quoi? En tout cas, il faut franchement avoir le toupé de mettre du velours en plein été. Quand même. Ouais. En tout cas, moi j'ai trouvé sa tenue trop sophistiquée, avec les paillettes, tout ça. Bon, c'est la mode, peut-être que je ne m'y connais pas de la mode d'aujourd'hui, comme des jeunes, ben, mais ça, alors, franchement, moi je trouve ça... Et vous lui donnez une note comment? Moi, je donnerai 4. Ah ça, elle a laissé tomber les 8. 8-4. Ah ouais, ils avaient 4 et vraiment les chiffres pères apparemment. Ouais, c'est clair. Et toi? Un 6. Un 6? Ouais. Moi, je lui donnerais juste la moyenne à 5. Ça va. Moi, je trouve que c'est limite tout match et tout, quoi. Si, si. Est-ce que c'est mec? Ok, c'est pas grave, on avance. Quatrième look du jour, Nana Akua Ado en Cari Santiago. Très très belle tenue, très très belle robe, mais sans les oiseaux ou les aigles, ce que tu veux. Là, je pense qu'elle se prend pour un ange, je ne sais pas ce qu'elle a dans la tête, mais mis à part ça, j'adore la tenue. Alors, ouais. Très sincèrement, j'aime bien sa robe. En fait, on pouvait enlever, décoller les. C'est pas faux. En fait, d'abord, il faut préciser que la tenue, là, c'est de la marque Cari Santiago, oui. Qui est une marque. Philippienne basée, d'origine philippienne basée aux États-Unis et tout. Mm-hmm. En fait, le styliste, le designer, c'est un passionné des oiseaux et consorts et tout. Ah, donc, du coup, il s'est inspiré. Voilà. Ouais, du coup, il s'est inspiré. Voilà, c'est tout un concept. Il s'est inspiré des oiseaux et consorts pour pouvoir créer la tenue. Okay. Pour pouvoir créer, genre, tu vois, la collection et consorts et tout. La raison pour laquelle, tu vois, il y a les oiseaux sont cette touche-là dans la tenue et tout. Mm-hmm. Mais bon, après, pour la soirée, j'ai tellement aimé, franchement. Ouais. Non seulement, tu vois, ça repousse les limites et consorts. C'est carrément. Tellement travaillé et sophistiqué. Oui, super. Et le fait de, tu vois, de pouvoir s'inspirer, tu vois, des oiseaux pour pouvoir créer une tenue assez commode et consort. Mm-hmm. Et ça lui va tellement à merveille, tu vois. Et ça épouse ses formes et elle a su mettre la tenue en valeur et franchement, chapeau quoi. Ouais, elle s'assume très très bien en plus, elle a une très belle allure, à voir sa tête. Yes. Et toi? Mais les propos qui vont suivre seront un peu ambigus, je précise déjà. Pardon? Les propos qui vont suivre seront un peu ambigus. Ok. Okay. Bon, déjà, je suis de ceux qui osent. Donc, qu'elle ait choisi cette tenue, j'y adhère totalement. Après, j'ai l'habitude de le dire. Les célébrités anglophones en Afrique,
Franchement, ils n'ont rien à voir avec les célébrités francophones. Ouais. Là, ça se ressent direct. Elle a osé, c'est... Ok, d'accord, c'est du too much. Mais après, quand on se réfère un peu au concept, on voit un peu le thème qui a été bien suivi. Voilà. Oui, carrément. J'aime bien. Mais après, sur elle, je trouve que c'est une catastrophe. Ah bon? Je vois, si c'est l'homme qui refait le coup, quoi. Un coup, il est comme ça, et après, il plonge. Tu vois? Comment un politicien, ce gars-là? Wallah. Ça en fait, il est de retour. Le vrai, lui, est de retour, tu vois. Le vrai, c'est déjà de retour. Hein. Je te sens bien, là. On le sent, là. C'est cool. Mais. Ah, ça? Je n'ai pas me justifier. Bon, voilà. T'as raison. T'as raison, et vous? Vous aimez bien la tenue? Bon, oui, la robe, oui, mais sans les oiseaux, comme on dit. Oui. Mais j'ai mieux compris quand il a expliqué le designer comment il est inspiré avec les oiseaux, tout ce qui est oiseaux et tout. C'est comme Roberto Cavalli qui est très serpent. Tout ce qu'il fait, il y a quelque chose en touche de serpent là-dessus. Ok. Bah moi je lui donnerais un 8. Bah pareil. Ah ça, elle adore les 8. Et toi? Après toi, ton surnom c'est la Dof. C'est normal. Tu y adhères totalement. Il se réveille là. Ouais. Ok, t'inquiète, j'ai des balles en retour. Hein. Vas-y. 5,5. Ah ça. Non quand même. Moi de même un 8. Super. Ouais, pour sauver la mise. J'aime les trucs, mais quand j'aime les trucs un peu tout moche parfois, mais sur ce coup-ci, c'est elle-même qui pose problème en fait. On va te débrancher, merci beaucoup. D'accord. Et bien, nous passons au prochain look. Cinquième et dernier look du jour, Sheila Yakubu en pagne. J'adore cet ensemble, j'adore. J'aime bien le wax de toute façon, j'adore tout ce qui est pagne, tout ce qui est traditionnel. Mais c'est du déjà vu. Bien vrai que j'aime bien, c'est du déjà vu, rien de nouveau. J'aime bien le style de son foulard, j'adore le sac. Mais pour ses chaussures, je suis contre. Là, je pense qu'elle a merdé avec ses chaussures. Elle aurait dû opter pour d'autres paires de chaussures. Et toi? Bon, déjà, c'est vrai que c'est du déjà vu, mais après, j'apprécie tellement. Moi, je suis toujours fan des tailleurs, tu vois. Oui. Et en wax, franchement, ça le fait, quoi. C'est vrai que, voilà, c'est pas... tellement bling bling ou bien voilà claquant et tout, mais bon après tu vois ça le fait et ça me fait toujours penser à ça bien aimé, tu vois. Voilà. Mais bon après tu vois c'est toujours pas facile de réaliser des tenues avec les wax et tout, surtout sur le choix des couleurs des pagnes et tout. Tu vois, mais sur ce coup là tu vois le entre guillemets le designer, il a réussi le pari, il a su choisir le bon pain et accordé, tu vois. Avec la chemise. Avec la chemise, tout ça, tu vois, l'ensemble, ça donne envie, quoi. Si, carrément. Mais bon, après, c'est vrai que le look dans l'ensemble, comparé au style de l'événement, c'est assez moyen, mais bon. Dans l'ensemble, ça va. Ok. Moi aussi, j'aime beaucoup la tenue. Donc, j'adore le wax aussi, mais franchement, les chaussures, elle aurait pu quand même mettre... des chaussures plus convenables pour la tenue. Carrément. Ouais. Et toi? Non, déjà une fois de plus, il n'y a rien de nouveau. T'as vu? Mais on peut apporter une touche. Sauf que surtout, c'est tout, presque tout le monde en a. Les tailleurs sont tendance. Là, c'est d'une. Le wax, ben, je te dis, il a son apogée à présent. Ça, bien sûr. Ça se fait partout. Bien sûr. Moi, je suis en total accord avec... la tenue. Pareil, hein, sauf que j'ai dit que c'est du déjà. C'est un beau mix quoi, de temps. Entre la chemise et puis le tailleur, tu vois, ça s'assemble très très bien. Oui. Après, elle aurait pu s'en passer de la pochette. Les escarpins, bon, je trouve que voilà, c'est limite quoi. Limite, ça peut passer. Parce que voilà, le temps des escarpins, tu vois, c'est pas trop bling. Du coup, la tenue est bien en avant, on remarque bien le tailleur. C'est comme elle aurait pu faire jouer la carte de la facilité en prenant voilà, en arborant des escarpins du même temps que sa chemise ou du tailleur. Peut-être pas, mais d'autres chaussures, juste une autre coupe ou bien à sa taille. Parce que là, ça dépasse un peu. Oui, c'est pourquoi je dis ça, voilà, c'est limite en fait. Carrément. Après, bon voilà, on dirait la pochette et puis les escarpins, peut-être qu'elle aurait pu s'en passer, mais surtout de la pochette. Mais je trouve que c'est un beau mix. Et... le ton du pain, ça fait un peu vintage et tout. Carrément.
Bon, je vais encore quand même me répéter. J'aime bien la tenue, j'aime bien le pagne, j'aime bien tout ce qui est wax. J'adore ce qu'elle a mis. J'ai l'impression que tu n'as pas compris. Oui, c'est déjà vu et je le souligne. Mais non, mais j'adore sa tenue. J'aime bien, c'est un truc que je mettrai bien. Et pour ça, je lui donnerai un 7. Et vous? Alors, moi, je donnerai un... 8? Non, pas un 7 quand même. Ok, ouais, d'accord. Et toi? Un 7 et demi. Super. Et toi? Sur la pochette, ça va donner un peu Zendaya. Voilà, un 7 aussi. Ah, enfin, il nous rejoint. Mes chers amis téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Mais nous allons passer directement au top et flap. Nous sommes au top et flop et mon top du jour, c'est la dame aux oiseaux, Nana Akua Addo en Carré Santiago. Pas pour ses oiseaux, mais pour tout l'ensemble, pour cette belle inspiration et voilà, cette créativité. Donc, elle reste mon top du jour. Et mon flop, c'est Billy Porter version africain, Kofi Akotua en Kofi Akotua, reste mon flop du jour. Et vous, votre top? Mon top, c'est Lorraine Amant, Bartel en Lorraine Haute Couture. Oui, et votre flop? Mon flop, ce sera Fui à Côte. Voilà. Et toi, Brian? Mon flop, c'est Lorraine Amant, Bartels. Mm-hmm. Et j'ai Exico comme top, Cunivi et l'autre, la Dame aux Oiseaux, comme tu disais. La Dame aux Oiseaux, voilà. Ok. Et ton flop? J'ai dit Lorraine. Ah, Lorraine. Mon flop, c'est Lorraine Bartel de Lorraine Haute Couture. Oui, ok. Oui. Et comme top, j'ai Execo, Queen Ivy et la Dame aux Oiseaux. Nana Akondo. Ok, super. Et toi? Excusez-moi pour la prononciation, mais mon flop sera Lorraine Bartel. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, parce que les Canadiens aussi avec la prononciation, c'est pas trop. Ouais, voilà. Et puis pour mon top, Queen Ivy, africaine à la main-d'œuvre. Ok. Toujours chaleur de ça. Ok. Super, bah, c'était tout pour les tops et flops. Avant de terminer en beauté, nous vous remercions beaucoup, Madame Baye, de nous avoir accueillis chez vous. Je vous en prie. C'est le plaisir de partager. Super. Et d'avoir su jouer le jeu pleinement, en fait. Oui, carrément. C'était un plaisir, quoi, franchement. C'est bien plaisir de partager. Super. Et bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous très, très prochainement sur FE Channel. Bye bye.